chanter les parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau. On a voulu rendre hommage bien sûr à Mariano, mais tout en apportant ma touche personnelle, puisque j'ai voulu des arrangements un petit peu latino, un petit peu rafraîchis. Et tout en gardant quand même la particularité de Mariano. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Chaque jour, Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis du cœur et de l'amour. Je me souviens, avec mes parents, on se baladait en voiture dans Paris et je voyais au Châtelet le prince de Madrid, des affiches, et donc ça me faisait rêver. Et je me souviens, à la maison, tout le monde chantait du Mariano. Dans ma famille, tout le monde chante l'opéra, l'opérette, la variété. Donc il y avait toujours quelqu'un qui rapportait un disque de Mariano, ou dès qu'il y avait un film de Mariano à la télévision, tout s'arrêtait autour de nous et on regardait la Belle de Cadix, Violette Impériale, avec la belle Carmen Sevilla, qui nous faisait rêver aussi, parce qu'elle était vraiment belle. Le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le chanteur de Mexico, c'est un air mythique, donc le plus difficile à réussir. Puisque Mariano utilise vraiment ce qu'il a de mieux dans ses qualités vocales. Cette voix enjouée comme ça, très séductrice, en même temps un petit peu rigolote, avec un petit sourire dedans dans la voix, mais en même temps une diction particulière, un rythme particulier. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes. Les si bémols que je fais dans Mariano ou les contrutes, c'est les mêmes que ceux que je fais dans la Bohème ou dans Verdi ou à l'opéra. Mais aujourd'hui, pourquoi un très grand ténor ou le plus grand ténor ne chanterait pas ce que Mariano a chanté? Parce que les notes sont là et la musique est là. When every night your loved one holds you tight, oh la la la. C'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique. Où est mon pied de pied? J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir travaillé avec trois ténors illustres au monde. Le premier a été Mario Del Monaco, qui était le plus grand monstre de sa génération. J'ai ensuite connu Placido Domingo alors qu'il était totalement inconnu. Roberto est pour moi, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, aussi bien Pavarotti que Domingo et tout, c'est le ténor de cette génération. C'est une voix généreuse, un timbre magnifique. Violetta, mon ami, si jolie.
Violetta. Je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes, il se fane un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul. Un jour, je me suis dit quand même, il faudrait que je rende hommage à cet homme, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué son époque. C'est un genre qui n'est ni variété, ou c'est une sorte de chanson à voix, mais avec voix de ténor. Donc je me suis dit, il faudrait que je rende quand même hommage, parce qu'il m'a fait rêver toute mon enfance. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. C'est difficile de rendre hommage à cet homme parce qu'il est quand même indétrônable, et c'est dur de se confronter à Mariano, parce que tout d'un coup, il ne faut pas être ridicule. On est tellement habitué à entendre Mariano exceller dans ses morceaux que c'est difficile d'entendre quelqu'un d'autre. Ce qui va me sauver, moi, c'est mon amour pour Mariano, peut-être, et mon estime artistique. Chica, 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 ai, ai, ai. Chica, 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 ai, ai, ai. Mariano, tout d'un coup, c'est le soleil, on a envie de sourire, on trouve la vie plus belle. Moi, quand je suis en face d'un phénomène pareil, ben, je tire mon chapeau et je dis bravo.